Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 271 de Stage 1 et nous allons jouer aujourd'hui à The King of Fighter 13. The King of Fighter 13 qui est un jeu de combat. Oula, je suis blanc comme un cul à cause de l'écran. Voilà, c'est un jeu de combat. On peut y jouer à la manette pour l'instant en tout cas. Je suis pas rentré dans un combat encore du tout, je sais pas du tout comment ça va se... à quoi ça va ressembler. En tout cas voilà, on est parti, The King of Fighter 13 Steam Edition. Comme quoi il a été fait, adapté spécialement pour Steam. C'est un jeu qui est assez vieux il me semble. Donc on va jouer en mode arcade comme on le fait toujours dans les jeux de combat. Le mode histoire c'est pas pour nous. Voilà. Alors du coup, hop, on va sélectionner un bonhomme. Il y a des bonhommes qui ressemblent énormément à des bonhommes que je connais. On serait dans... Vous voyez genre lui là. Bah tiens, on va le prendre. On va prendre Kim. On va le prendre en rouge. Parce que c'est bien le rouge. Et on va jouer... Ah, c'est quoi le deuxième choix, je sais pas. Ok, donc j'ai une équipe de 3, je crois. Ou alors c'était mes adversaires, je ne sais pas. C'est plutôt bizarre. Ah non, non, c'est une équipe de 3. Deuxième membre. Ok, j'appuie sur Start. Compléter. C'est parti. Alors, comment ça va se jouer? Et t'as un bel art martial, c'est sûr, mais mes jambes ne me trahiront pas. Je dois aussi gagner ce combat en l'honneur de Taekwondo. Du Taekwondo. Merde, non, d'accord, c'est l'art. J'ai cru que c'était un mec. Soupir, les hommes sont tous les mêmes. Sans justifier vos histoires d'honneur et de fierté. Alors, je joue contre une femme. J'ai pas intérêt à me faire démonter. Alors on retrouve des combos normaux dans les jeux de combat. Oh putain d'accord, ok. J'étais en train de me dire tiens elle attaque pas. Ok, ok, genre la lassitude quoi. Allez, vas-y, bats-toi là, bats-toi, espèce de salope! Allez, bats-toi! Bats-toi! Arrête de rester dans ton coin. Ouais, ça bat pas beaucoup, hein. J'aurais bien aimé voir des capacités un peu spéciales. Oh, ouais, con, regardez la femme à droite de moi là. Oh putain. Oh putain, mais regardez, ouais, toutes les femmes en fait. Oh mon dieu, le décor au fond. Le décor au fond hyper glauque que j'avais pas vu. De t'embarrasser avec les détails, mais. Qu'est-ce qui te... J'ai l'impression que t'as du mal à dire quelque chose. Le Taekwondo. Ready? Go. Oh putain oui, elle a les trucs qui se baladent là. Elle a son décolleté qui se balade. Oh, j'aimerais bien me battre correctement. Alors, liste des commandes, comment je peux jouer? Alors, mouvements spéciaux, mouvements super spéciaux. Ah, t'es sérieux? Tuk 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 tuk, c'est quoi ces mouvements de ouf? Si je fais des attaques spéciales, je pense que ce sera totalement au hasard. J'ai trouvé une attaque, je crois. J'ai trouvé un combo. Je crois. Non, je sais pas. Peut-être. C'est possible. Bon, ben voilà, les KO. Ah mon dieu, les paysages derrière, quoi. Ah, ces trucs répétitifs de ouf qui sont moches. C'est burlesque. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Burlesque. C'est vrai, mais hein, bla bla bla. Arrêtez de parler, je vais te démonter ta race. Pour l'instant, c'est souvent des femmes. Hein. Bah, c'est même que des femmes. Oh putain, ce qu'elle vient de me faire. Oh putain de ta race.
Trois cons. Elle m'a fait plus de dégâts en une attaque que... Oh la femme quoi. Non. Oh non non non. 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 Je me suis fait démonter. Mais... Ben, moi j'ai un peu du mal à comprendre les attaques spéciales par contre là. Donc c'est en plusieurs rounds j'imagine. Ah non. Ah non non c'est... Donc j'ai juste trois personnages avec lesquels jouer, donc du coup bah je change de personnage contre un autre que je ne connais pas. Oh merde j'appuie. Ouais comme il est incontrôlable celui-là. Ok, la fille elle m'a cramé. Par contre je lui mets des sacrées attaques. J'espère que je vais pas perdre. Ah mais non, mais elle a sa vie de tout à l'heure en fait. Ok. Je suis en train de contrôler un autobus. Oh, le silence qui dit tout, qui dit que je t'ai démonté ta race, salope. Par contre, j'ai mon premier personnage qui est... D'accord, il y avait combien de combats en fait? Ah mais non, j'ai tué ces trois personnages. Ok, je comprends mieux. Ok, donc le but c'est vraiment de tuer trois personnages avec mes trois personnages. Donc c'est un combat à 3 contre 3 en différé. Et ben, c'est bien ça, dis donc. J'avais de l'avance en fait. Hein. Parce que j'avais encore mes deux personnages alors que lui j'avais tout démonté, c'était son dernier. En tout cas, je préfère mon petit perso là. Il est bien. Il est plus maniable que l'autre handicapé là, en forme d'autobus. Oh, t'as pris cher. You win. Avec mon premier déjà, c'est pas mal. Et j'avais pas vu, mais la vie qu'on a, c'est toujours la même par rapport. Entre les matchs. C'est pour ça que l'autre, je pense que j'ai perdu comme un zizi. Après, ils sont pas spécialement forts non plus, hein, les personnages de l'IA, là. Voilà. Pour l'instant. Puis moi, je commence un peu à maîtriser ce personnage, je commence un peu à comprendre quelles sont ses attaques. Loin de savoir faire les attaques spéciales de ouf, hein, qui sont possibles, là, j'ai vu. On en est loin. Mais bon, là, du coup, j'ai battu deux persos contre un, donc on est plutôt bien. Je suis content. Oh, oh. Ah, tu fais moins le fier, tu fais moins le malin, là. Hein, tu fais moins le malin, culé. Oh, putain. Oh, putain, comment j'ai évité son attaque de ouf. Que je sais même pas comment je pourrais la faire si j'avais envie de la faire. Et voilà, vous avez vu le décor du fond, le personnage avec un gros nez. Voilà. Bientôt, le temps sera cendre, succès déverrouillé. Ouh. Allez, on va s'en faire encore un ou deux de petits rounds comme ça. Moi, je change pas de personnage, j'ai une équipe de winners. Enfin, en tout cas, j'ai pas eu le temps de jouer avec mon troisième perso. Le deuxième, je sais juste que c'est un gros camion, un citerne, avec une remorque de 38 tonnes. Et je vais jouer contre un papy. Mais les papys, attention, c'est traître en général, c'est dangereux.
C'est traître les papis. C'est traître, traître, traître. L'ordi a un avantage, c'est que lui, il sait jouer avec les personnages, alors que moi, si je change de perso, je suis une grosse merde. Avec mon autobus, là. Parce que je l'appelle autobus, parce que j'ai oublié son nom. Lui, c'est Kim, alors là, actuellement, je joue avec Kim. Du coup, c'est un petit peu dommage, j'aurais bien aimé jouer plus avec les autres persos, mais bon. C'est comme j'ai une équipe qui gagne. Yeah. Alors on remarque qu'à chaque machin on a un autre décor. Là on a un décor de marché qui vend des sortes de marchés. Où ils vendent des choses. De la bouffe, nourriture, poisson. Typiquement japonais ou en tout cas là-bas, des pays de là-bas. J'y connais pas trop, je voudrais pas insulter ni les japonais ni les chinois ni quoi que ce soit. Mais ça sent quand même le décor japonais. Oh putain, c'est moi qui me suis transformé là. Drive Cancel. Ouh, elle m'a fait une attaque à paillettes. Ça rigole plus. Ouh, elle est forte, elle. Oh. Ouh, qu'elle est fortiche. Sauf que je la tue quand même, mais elle est forte. Bah. K.O. Fatality. Ah non, ça s'est trompé de jeu. Chargement en cours. Allez, le troisième. Ouh, je suis chaud bouillant, là, je suis chaud. Allez, je m'en fous de ce qu'ils disent. Vous imaginez, vous faites les trois personnages et vous prenez jamais un seul coup. Moi, je crois bien qu'il m'a lancé une super attaque quand même là. Ah, il me l'a refait. Cet enculé. Vous imaginez, sur un adversaire, je pourrais tout perdre. Putain, il est fort ce con. Après, il connaît ses attaques, moi je sais pas. J'en ai que quelques-unes. Tué, je suis dégoûté. Allez, on va jouer cette fois-ci avec mon autobus. Peut-être que mon autobus en arrivera à bout. En plus, il reste pas trop de vie. Ah mon dieu, il m'a attaqué mon autobus. Ouh, mon autobus, il t'est rentré dans la face. Chargement en cours. Fais voir ce que vaut un humain. Et je suis débrouillé de succès tranquille, quoi. Un nouveau challenger est arrivé. Oh mon dieu, ça pue. Alors, j'ai trois personnages contre un seul. Ça veut dire que le mec, il doit tellement être incroyable. On va se faire celui-là et puis on terminera la vidéo. J'imagine que c'est l'ennemi final du mode arcade. Il doit tellement être infaisable. Sinon il serait pas 3 quoi. Comment je lui mets pas un seul coup? Comment il est tellement plus dur? Quoique. Juste les trois quarts de ma vie. Ok. Allez, il m'a tué un perso, c'est pas grave. C'est pas grave. Allez.
J'en ai encore deux. You lose. Allez. Oui, ta gueule. Hop. Rune, ready. Go. Oh non. Où ça? Je contrôle un autobus. Allez, t'as intérêt à crever. Maintenant, avant qu'il récupère sa vie. Lance-moi pas une super attaque. Oui, je t'ai eu. Oh, je t'ai eu. Avec mon autobus en plus. Nouveau personnage débloqué. Ce combat fut intense. Winner. Oh, on a même droit à un petit... petite cinématique. Et ça continue, mais je ne vais pas continuer. Et non, je ne veux pas continuer, donc non. Allez, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Donc on était sur un jeu qui s'appelle... J'ai tout complètement oublié le nom. Voilà. Voilà, déjà. C'était... voilà. Donc, j'espère que cet épisode vous a plu. Que ce jeu, en tout cas, je le trouve un peu mieux que... Ce que j'avais joué, c'était Schoolgirls, voilà. Je le trouve un peu mieux que Schoolgirls. Il y a un peu plus de logique, on voit un peu mieux les persos. Il ressemble fortement à du Street Fighter. Même si ça n'a rien à voir. J'imagine que c'est pas du tout la même chose. Même le même univers, je pense que ça n'a rien à voir. En story, ça doit rien à voir. En tout cas, le Kim, il me rappelle fortement Ken. Puis on a toujours un peu le même style de personnage. Vous voyez mon personnage de gauche, avec ses seins qui baloche. Et puis mon gros bonhomme, mon gros autobus, avec sa grosse paire de... Hein. Voilà. Donc... on arrête là, j'espère que vous avez aimé cet épisode. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le dire, à commenter, à aimer, à partager et à vous abonner surtout pour voir les prochaines vidéos. Donc, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Sage One, et puis d'ici là, portez-vous bien, salut!